Et puis le ton monte à la raffinerie Total de Dunkerque. Les salariés sont entrés en force dans les locaux de la direction. Ils ne partiront pas avant d'avoir obtenu des réponses sur l'avenir de ce site menacé de fermeture. Reportage dans le Nord, Marion Fiat. En arrivant à la raffinerie Bijou City, comme on l'appelle si bien dans la langue de Molière, on ne peut qu'être frappé par le nombre de grévistes qui occupent le haut des marches. Face au département économique du bâtiment administratif de la direction, direction qui est actuellement retenue en otage, si l'on peut dire, dans la salle de conférence. Les grévistes nous ont interdit l'accès à cet endroit pour le moment, donc nous n'avons pas pu avoir d'image. La sécurité tente toujours, à l'instant où je vous parle, de reprendre le contrôle du bâtiment. Mais dehors, c'est la guerre qui fait rage. Comme vous pouvez le voir sur ces images, certains grévistes mènent un violent mouvement à l'encontre de la sécurité. Toute personne pénétrant dans le site, surnommée Blackburn par les salariés, se voit immédiatement traquée, je dirais, et des projectiles fusent de tous les côtés. Nous en avons fait les frais en essayant simplement de sortir par l'entrée principale. De toute évidence, les responsables de Total ne pourront pas échapper à la non-fermeture du site, et ce, malgré leurs menaces de licenciement à effet immédiat, les BAN, comme on dit ici. Mais les salariés, a priori soutenus par certains actionnaires qui auraient changé de camp, refusent de céder à la pression et promettent que la grève durera tant que leurs revendications ne seront pas totalement acceptées. Des soldats français délibérément exposés à des radiations nucléaires dans les années 60 en Algérie, c'est ce que révèle. Oh putain l'enculé, oh putain l'enculé, je vais te mettre un truc dans le cul, dans le cul, dans le cul, ton cul dans la grève, va chier! Partout!